cap sur Saint-Martin, à la rencontre de Laurent Barbiot, médecin urgentiste à l'hôpital Louis-Constant Fleming. Adrien, bienvenue à Saint-Martin. Nous comptons vous autres. Toubib, mais aussi Troubadour sans frontières, Laurent a roulé sa bosse sur toute la planète, enchaînant missions humanitaires, projets de développement et innovations technologiques, comme ici à Marigot, où il coordonne la filière de télémédecine. Laurent est aussi fan de musique et de ses trois enfants, Roméo, Leonardo et Belinda. Bon comme le pain, c'est le genre de gars qui a des amis dans tous les ports du monde. Je suis content de te voir au moins. Ok. Parce que j'étais pas là pour ton. Salut Bobo, Bennett, oui, Alden. Tout ok, tout le monde là, Eric. Ok. Je me souviens de l'époque de mes premiers sound system. Des collègues comme ça, c'est du bonheur. Donc on se voit sur la route, on se salue. That's the way of life. That's a friendly island. On sort dans la voiture, je pense qu'on a quelque chose à faire à l'aérogare. Laurent. Allez, voilà. Hey, Laurent. Adrien Jovenot. Hey, wow. Welcome. Wow. Oh là là. Ah, ben enfin, bonne arrivée. Génial. Ah, je suis content de vous voir. Et vous êtes déjà en train de checker. Oui. Et pour vous amener un petit peu de Belgique, 2-3 gouttes de pluie dans mes bagages. Bonne arrivée, c'est un très bon signe, Ariane. Merci. Bonne arrivée à Saint-Martin, oui. Et la tradition l'oblige. Vous prenez le volant. Ah, carrément. On nous partit vite main. Ok, on va. Nous fait comme ça. Ah, allez. C'est super. Ah ben on roule à gauche ou à droite ici? Ah mais on roule tout droit, on va commencer par rouler tout droit. C'est français quoi, je veux dire, je conduis, c'est on va voir. C'est français, ça se passe en anglais, il y a un Dutch site, vous verrez. Ah c'est un peu, il y a des flamands? Ah oui, et on les aime beaucoup, et okay. Ça se passe très bien, ils sont au sud, oui. C'est l'inverse de chez vous je crois. D'accord, oui, exactement. Avec ses 90 km², Saint-Martin, The Friendly Island, c'est comme un confetti dans le carnaval des Caraïbes. Ses décors de cartes postales et ses plages paradisiaques ont longtemps attiré touristes, voyageurs et aventuriers du monde entier. On y parle anglais et créole, mais aussi néerlandais et français. Car Saint-Martin, Sint Maarten, c'est une île de pirates que se partagent officiellement la France et les Pays-Bas. Ses 85 000 habitants habitent principalement Marigot, la capitale de la collectivité d'outre-mer, ou Philipsburg, la plus grande ville du Dutch Side. Alors, que va-t-on faire dans cette émission, Laurent? On va vous suivre au travail, à l'hôpital? Très volontiers. L'hôpital étant à Marigot, ben, je vous invite à m'y rejoindre. Et puis, beaucoup de surprises également, parce que Saint-Martin, c'est aussi une île de pirates, c'est une île de découverte, d'aventure, une île où on peut innover, où on peut se projeter dans l'avenir. Malgré tout, il y a un dynamisme. Alors, la météo change d'heure en heure. Il n'y a pas de cyclone là, on est tranquille. Oh, on n'est pas encore dans la saison cyclonique, okay. Bien vu, d'accord. Mais un petit grain vous a accueilli. Oui, mais j'ai vu que vous avez décapoté, donc vous restez optimiste. Ah oh, ben bien entendu, c'est bien, oui. C'est ça bien. Vous déplaît pas de conduire. Ah non, moi j'adore, je suis en train de réaliser un rêve de gosse. On a survolé, j'ai vu en arrivant Saint-Barthélemy, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on pense de suite à Johnny qui repose. On va aller le voir. Eh bien, ça vous dirait. D'accord, ok. Allez, il y a un bateau, c'est magnifique. Ici, c'est aussi une terre où il y a plein de nationalités différentes. Hein. Bien vu, je vois que vous avez potassé 85, pardon. Il n'y a pas que des Belges. 85 nationalités. Gros avantage des Belges, on parle néerlandais ici. Oui. Quel n'est que le problème, plus. Et donc 85 nationalités qui nous permettent également de découvrir à la fois une journée en anglais, en créole, en papiamento, en espagnol, en français, etc. C'est The Friendly Island. Laurent parle créole? Maga parle tout douce. Vous connaissez ça depuis quand? Oh, regardez où là? Pas de problème. Ah, pas ben voilà. Problème. Rasta Ozzy from up the hill decide to check on him grocery bill. And when him add up the things he need, the tune done with him safe he buy little weed. Him hand pan him jaw, Lord, read him iron just meditate. The time is so hard. Alors, moi j'aimerais savoir, Laurent Barbiot, ce qu'un médecin belge
est venu faire ici, au bout du monde? Parce que même si on est sur une collectivité d'outre-mer, on est quand même aux Caraïbes. Oui, donc le bout du monde est évidemment relatif, hein, d'où l'on vient, d'où on part. Alors moi j'ai suivi simplement l'envie qui est née vers les années 90 d'aller voir ailleurs. Après un service militaire en Allemagne, figurez-vous, oui. Après mes études de médecine, j'ai voulu inverser la vapeur. À l'époque, j'avais fait la connaissance d'un cuisto sénégalais qui m'avait vraiment donné l'envie de découvrir son pays. Il m'avait dit « Viens connaître la teranga chez nous au Sénégal oui. ». Et donc, dès la fin du service militaire, j'ai pris la direction de Dakar. Et vous avez chopé le virus? Parce que vous êtes vraiment devenu un nomade des temps modernes. Vous avez fait combien de postes en 25 ans de carrière? J'ai occupé 25 fonctions différentes. Ah oui? Avec autant de passion et d'envie de m'investir chaque fois. L'Afrique de l'Ouest a été mon premier pas en Afrique. Ensuite, je me suis dirigé un peu plus vers le centre. Hein. L'ancien Zaïre m'a accueilli. Et également le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, pour finalement se dire, à la faveur de la rencontre de ma charmante compagne, Valérie Lieko, de se dire pourquoi pas aller en terrain mixte, symbole du métissage, aux Antilles. Et à ce moment-là, c'était la Martinique qui nous a accueillis. Ouais. Alors ici, on est dans votre hôpital. On voit, hein, c'est vraiment l'hôpital hôpital des tropiques, c'est assez dépaysant pour nous. Vous avez un poste particulier. Vous vous investissez dans la télémédecine parce qu'on est sur une île coupée du monde, il n'y a pas tous les spécialistes et vous essayez d'interconnecter les gens entre eux. Oui, donc effectivement. Alors la télémédecine n'est pas l'apanage des îles et des territoires lointains. Que du contraire, depuis plus de 10 ans maintenant, elle est pratiquée intensivement en métropole, comme l'on dit, sur la France hexagonale, et elle répond aux besoins de zones désertiques, comme l'on dit, en termes de soins médicaux, qui existent en métropole, ce qui est également le cas ici, partiellement, pour certaines disciplines. Nous n'avons pas de neurologue résident sur l'île, par exemple, et la téléconsultation de neurologie prend la place 3 fois sur 4 de cette consultation en live, des visu, en direct sur place. Donc si je vous comprends bien, vous utilisez à la fois votre stéthoscope et les écrans d'ordinateur. Oui, j'ai même envie de dire, j'ai quasiment troqué mon stéthoscope contre un poste informatique avec tout le multimédia nécessaire, caméra, vidéo, haut-parleur et support de transmission de dossiers, tout ce qui est imagerie médicale, IRM, scanner, les dossiers anciennement manuscrits et les supports, électrocardiogrammes, biologie, etc. Tout ça est très complet. Septembre dernier, nous avons été frappés par le cyclone Irma. Je suis animateur de la filière de télémédecine. Très complet, à l'image du parcours de Laurent qui s'investit aujourd'hui dans les nouvelles technologies. Il a d'ailleurs reçu le prix de l'innovation lors des trophées des Belges du bout du monde, fin 2017, au Botanique à Bruxelles. Il le reçoit, ce trophée, des mains de Pascal Delcominette, patronne de la WEX. Même s'il est très attaché à ses racines boraines, Laurent est un médecin baroudeur au grand corps. Toddy Sulvoy, il a fini par se fixer lorsqu'il a rencontré l'âme sœur sous les tropiques. Où m'emmenez-vous là, Laurent? Eh bien, Adrien, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai l'impression de faire maintenant un arrêt sur image et de poser un microscope sur mon cœur. Ah bon? Et de qu'est-ce qui se passe, docteur ? Présenter la femme que j'aime. Ah bon ? Avec qui j'ai le bonheur de partager toutes ces expériences ultramarines, va-t-on dire, puisque c'est notre terrain d'entendement. On a formulé ce désir de venir aux Antilles quand nous étions chez elle, à Kinshasa, peu après s'être rencontrés à Bruxelles. C'est notre métissage à nous. Et on se rencontre dans une librairie. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi. Ah bon, ok. Allez-y. Ah ben voilà. Waouh. Ah oui, ouais, je comprends, ouais. C'est... Pas encore sorti, parce que je pouvais pas, il était dans un concours, mais je vous ai fait... Et la voici, je me permets de vous présenter Valérie. Bonjour Adrien. Valérie, enchantée. Ça fait ravi. Plaisir. Ravi de vous rencontrer, franchement. J'ai entendu parler de vous plus comme auteur de livres que comme épouse de Laurent.
Collègue, mais aussi et surtout compagne de Laurent, Valérie Lieco est neuropédiatre à l'hôpital Louis-Constant Fleming. Son autre passion, c'est l'écriture. Depuis 2010, elle s'est lancée dans la rédaction de romans à mi-chemin entre le polar, la saga historique et le livre d'évasion. Il y a 6 livres, Marie-Annie, que vous avez accueillis hein, la première librairie ici, la librairie des îles, les œuvres de Valérie Lieco. Vous pouvez vous retrouver un petit peu l'ambiance caraïbe dans le livre. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est l'histoire, souvent, c'est-à-dire sur Saint-Martin, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus sur Saint-Martin trouver soit l'amour, soit une évasion. Et quand on lit ce livre, ça se réfère beaucoup au passage de pas mal de gens. Ouais, c'est votre cas ? C'est vrai que Saint-Martin, ça a été peut-être ce qui m'a permis le déclencheur d'écrire, d'oser écrire. Parce que comme c'est une île où les gens, en fait, en effet, veulent réaliser leurs rêves et on a l'impression que tout est permis, donc il y a cette énergie qui fait que... Tout est possible. Tout est possible, ouais. Et on sent capable de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé aller jusqu'au bout dans l'écriture si j'avais été, si j'étais restée en Belgique ou même ailleurs. Vous êtes fière d'elle ? Alors, j'en ai la voix coupée. Je ne vous cache pas, Adrien, que j'ai versé une petite larme qui dira tout, finalement, de ce bonheur de vibrer. La croisée des chemins, ça résume aussi un peu notre métissage à nous, notre façon de vivre, de voir les choses. J'ai lu le tout dernier, Disparition en eau turquoise. Ça se déroule dans une île toute proche de Saint-Martin. Exactement, ça se passe donc sur l'île de Saint-Barthélemy, qui est plus communément désignée comme Saint-Barth. La Saint-Trope des Tropiques. Voilà, qui se trouve à 22 km d'ici. 22 km ? C'est pas loin. On y va. Vous êtes bon nageur. pas plus que vous. D'accord. Mais on pourrait peut-être y aller ensemble. Pourquoi pas, pourquoi pas. Découvrir l'île de Saint-Martin à bord du Dreamliner nous offre d'autres perspectives. On a tous quelque chose en nous de caraïbe. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à elle. Écoutez Valérie nous lire une page de son roman. Elle y décrit l'arrivée au port de Saint-Barthélemy. L'entrée dans la baie fut une authentique carte postale, nul besoin de Photoshop. Ciel bleu avec de rares nuages blancs inoffensifs, mer lisse et turquoise sur laquelle des bateaux à voiles multicolores s'avançaient avec langueur vers leur lieu d'ancrage. Derrière les quais, on apercevait des bâtiments peu élevés, abritant pour la plupart des commerces. Leurs façades, soigneusement entretenues, donnaient déjà un avant-goût de la propreté qui pouvait régner sur l'île. Et ici, la salubrité allait de pair avec le luxe. Alors, une demi-heure de bateau, et j'ai l'impression qu'on change d'univers. Où sommes-nous, Valérie ? Alors, nous sommes toujours en France, mais nous avons en effet changé d'île, puisque nous sommes sur la fameuse île de Saint-Barthélemy. Une île où vous venez tous les deux, parfois pour vous reposer, hein, c'est sympa, mais aussi pour travailler. Oui, nous sommes au pied du centre hospitalier De Bruyne, l'hôpital de Saint-Barthélemy, et j'y anime la filière de télémédecine en connexion avec le CHU de Pointe-à-Pitre. Et vous travaillez ici avec les enfants ? Tout à fait, il y a une structure qui s'occupe d'enfants handicapés, nous venons une fois par mois ici. D'accord, nous on va profiter de cette petite escale à Saint-Barthélemy pour aller voir un autre Belge du bout du monde qui se repose ici depuis quelques mois. À vous autres, faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit. Alors l'idole des jeunes, hein. Je trouve que c'est très émouvant de voir les galets et tous ces petits messages écrits à la main. C'est très émouvant. Hein, Et en fait, il est venu se reposer un peu sur la terre où vous avez choisi de vivre. Oui, on a sans doute partagé le même goût pour cet environnement, cet univers. À sa façon, c'était aussi un Belge du bout du monde. Aux Antilles, on aurait presque envie de dire c'est très vivant. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aux Antilles, les cimetières sont souvent très, très beaux.
même en Guadeloupe, ils soient soignés. Il n'y a pas ce côté triste. C'est un cimetière dans lequel on a envie de venir. Voilà. C'est comme un temple bouddhiste où on a envie d'y aller parce que c'est fleuri. C'est... Salut Johnny. Avant de quitter l'île, Laurent revêt un autre costume, celui d'ambassadeur de la culture belge. Il remet un CD de nos jazzmen à l'organisateur du festival de jazz Saint-Barth. Il est comme ça, Laurent, le cœur sur la main et toujours sur la balle. Les voisines, Saint-Barth, la BCBG, et Saint-Martin, l'île de pirates, ont peu de points communs. Elles partagent toutefois une date qui les marquera à jamais. Durant la nuit du 5 au 6 septembre 2017, Irma, ouragan de catégorie 5, frappe les îles de plein fouet. L'œil du cyclone touche Saint-Martin avec des vents de plus de 400 km/h. En une nuit, 95% de l'île est détruite. On y déplore de nombreuses victimes et 3,5 milliards d'euros de dégâts. Ce qui est horrible, c'est que juste avant l'arrivée d'Irma, il faisait en tout cas un temps magnifique. Comme maintenant. Un ciel bleu et même un coucher de soleil très particulier. Et une mer plate, un silence. On sent qu'il va se passer quelque chose de très grave. Et puis tout doucement, le vent se lève. Et on sent les rafales de plus en plus fortes. Et puis au départ, c'est les branches qui bougent. Et puis l'arbre qui bouge. Et puis des arbres qui s'envolent. Et puis on entend sur le toit des projections. Les murs qui vibrent et surtout un bruit de... on entendait comme des voix dans le vent, quoi. La plupart des gens ont dit que c'était comme s'il y avait des êtres humains qui criaient dans le vent. Donc c'était vraiment très spécial. Et puis une pression, on a dû vraiment se tenir la tête. On avait l'impression que le crâne allait vraiment exploser. Oui. On a dû vraiment se battre toute une nuit avec des meubles, des fenêtres, changer de pièce pour se retrouver finalement dans une pièce unique avec quatre enfants, en attendant que ça passe et en se demandant si on allait y échapper. Donc c'était vraiment l'horreur. Saint-Martin est parti. Le 6 septembre, l'île est ravagée. Après une nuit cauchemardesque, les habitants se réveillent groggy, avec la gueule de bois et le sentiment d'avoir survécu à une incroyable catastrophe. Saint-Martin a coulé, le passage du cyclone a tout ravagé, les habitants sont tous devenus tarés, devenus tarés, devenus tarés. Saint-Martin est parti. Saint-Martin... Fuck Irma, ça dit bien ce que ça veut dire. Et on voit ici dans votre quartier là. La violence du choc, hein. Un an après, c'est toujours dévasté. Effectivement, no comment. Hein. On préfère regarder de l'autre côté. C'est sûr, mais bon, oui, c'est toujours dévasté. Bon, intérieurement aussi, hein, il y a l'expression on est cycloné. Donc, par moments, c'est encore assez dur. Ouais. J'avoue que toutes les semaines, on a encore droit à quelques émotions. Ici, on a des souvenirs, hein, des amis qui vivaient là, c'est mon quartier. J'ai passé un réveillon dans cette ville-là devant. La piscine où mes enfants ont amélioré leur natation. Mais ne nous plaignons pas, on est vivants. Et je vous disais, après Irma, moi j'avais eu un petit moment d'euphorie le lendemain, puisque en se découvrant survivant avec la famille, de se dire, mais quel phénomène beau dans toute sa splendeur et dans son immensité, avoir l'espace quasiment qui vient vous embrasser ou vous regarder de près. Bon, ça a été tout un message. Et avoir l'œil d'Irma qui nous regarde, c'est peut-être aussi un enseignement qui peut aller à l'intérieur de soi, qui peut permettre de repartir de l'avant. Donc voilà, il y a tout un champ psychologique qui est ouvert et qui peut progresser aussi. Cette épreuve peut-être vous a grandi, vous repartez avec le sourire. Vous êtes là en disant, allez, on a la niaque, on se relève, on y va. Mm-hmm. Et Dieu merci, il y a ce côté Friendly Island qui est resté, qui fait que on a partagé des très bonnes émotions, des moments plus durs, mais on continue à partager le quotidien. Je pense à tous ceux qui ont dû quitter l'île, puisque malheureusement, beaucoup de pertes de temps. Que Saint-Martin est toujours là, avec son soleil, son côté bleu qu'ils ont bien connu et aimé.
Aujourd'hui, Saint-Martin se reconstruit. Elle attend, elle espère le retour des visiteurs. À l'image de la baie orientale, cette plage de sable fin qui accueillait autrefois tant de touristes du bout du monde. Love you all, come again, we are right here for you. Avant, ici, il y avait des restaurants, des gros bâtiments. Tout à fait. Encore faut-il le voir pour le croire. Mais anciennement, donc, comme vous dites, des établissements qui accueillaient quotidiennement des milliers de personnes. Et de la nuit au lendemain, tout oui. cela a été volatilisé, pulvérisé. C'est assez incroyable. Et retour à la case départ, à la nature. Et on est déjà dans la phase de reconstruction. Oui, donc effectivement, vous me le faites remarquer, puisque ce sont des engins auxquels on n'était pas habitué. À vrai dire, je pensais qu'en 6 mois, les choses auraient bougé beaucoup plus vite, parce que c'est une des caractéristiques de Saint-Martin, c'est l'énergie, c'est le punch, le tiponche aussi, mais le punch. Et je pensais qu'en 6 mois, on allait se relever beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Ben, on espère chaque jour qu'une brique de plus se remet dans l'environnement et qu'on puisse retrouver des beaux jours, peut-être même différents, puisqu'on va avoir une nouvelle conception de la plage, peut-être un peu plus écologique, de l'accueil des visiteurs, une façon plus respectueuse de la nature. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle. Oh oui, une bonne. Je crois bien que c'est une bonne nouvelle. Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais, 2 secondes, 10 secondes. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, je me suis levé sans l'aide de mon réveil. Il n'a pas sonné, je l'avais jeté la veille. Je me suis levé du bon pied, grand soleil dans le ciel. Parfaitement reposé à côté de ma belle. Après un petit café, 2-3 tartines de miel. Un jus d'orange pressé, je finis la vaisselle. Plus besoin de stresser, j'ai une super nouvelle. Docteur Baroudeur, homme de culture et de cœur, Laurent Barbiot est aussi un papa gâteau qui a le sens des vraies valeurs. Le soir, il sort sa guitare, comme pour chasser les cauchemars, bercer sa petite tribu et rêver à de nouvelles aventures. Dans cette histoire qui finit bien, ils étaient 4 matelots. Ils n'avaient pas de... Ils étaient 4 matelots. Mais on n'osait quand même y croire. Alors, vous avez vécu Irma, toute la famille. Vous auriez pu, comme beaucoup d'autres, rentrer. Vous êtes resté pourquoi ? Je pense qu'un équilibre au jour le jour et le fait de ne pas voir passer le temps est un bon signe pour rester à un endroit. Même après Irma, l'envie de continuer les projets. Dieu merci, les enfants jusqu'au cyclone s'épanouissaient. Et les projets médicaux me tiennent très à cœur. Évidemment, je suis un amoureux des Antilles, donc pourquoi partir ? C'est vrai que peut-être que c'est après avoir perdu un peu de Saint-Martin avec l'ouragan Irma qu'on s'est rendu compte vraiment qu'on y tenait encore plus. L'île a été détruite et on s'est vraiment rendu compte, mais en fait, on était vraiment sur un paradis et on espère qu'il retrouvera son niveau d'avant, si pas mieux. Vous êtes en tout cas sur beaucoup de mers du monde, un peu un nomade des temps modernes, Laurent Barbiot. Dieu seul le sait, mais je vis au jour le jour, et c'est ce qui me caractérise. Et Dieu merci, Valérie m'a stabilisé en venant à mes côtés et en m'offrant 3 beaux enfants. Donc le nomade s'est arrêté de marcher, mais a fondé une famille. Dites-vous. Oh. On va prendre goût, hein. On va finir par se marier. Oh là, ah, ça, je crois qu'il y a une perche tendue. Ouais. Non, je me trompe. Oui, mais bien sûr. Tout est permis. Et tout est possible. C'est l'île où tout est possible, donc.
Message reçu. Il faut organiser. Hein. Oui, voilà, mais bon, je pense que je vais faire appel à un staff pour l'organisation. J'ai des adresses, j'ai des noms.